Et bien bonjour à tous, c'est Simpso pour une nouvelle vidéo, un nouvel let's play The Legend of Zelda Link's Awakening. Il vient de sortir, j'ai été l'acheter aujourd'hui en plus, voyez-vous. je n'y ai jamais joué, je crois que c'est un remake, non? Il y a de mon genre? Je sais plus. Donc c'est un peu honteux parce que moi qui aime bien beaucoup les Zelda, j'en ai joué très peu. Et donc je m'étais dit qu'on allait se le faire, donc j'ai été l'acheter et allez go parce que j'ai un game capture qui m'attend depuis bien 6 mois. Allons-y. Avant qu'ils me remettent, voilà, une cinématique. Et donc, comme habituellement, c'est Nintendo, hein. Et on va voir, je promets rien, on va tester. J'ai même pas testé le jeu, hein. Ouais, allez, oh, c'était quoi ça? Sauvegarde automatique. Ah d'accord, c'est, ouais, d'accord, je regardais. Mode normal. Entre un nom, Link, c'est parfait. J'aurais pu mettre Diode, mais je ne l'ai pas fait. Pour les petits fans de Zelda, un petit peu tatillon. Ah, il revient à lui. Ah! Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller, tu devais cauchemarder. Quoi, Zelda? Tu n'es encore pas track. Je m'appelle Marine. Quel pronom de merde. Tu te retrouves sur les cocolines. Big up à toutes les marines. Ok, alors les contrôles, c'est simple, c'est du 2D un peu basique, oui. Vous avez plus de force. On dirait qu'on peut placer quelque chose sur ce socle, il est écrit plante piranha. Ok, on a dit, on doit mettre un pot et ça, boum, la plante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marine? Suis le chemin vers le sud, tu arriveras sur la plage où je t'ai trouvé. Mais ce prétend, depuis que tu as échoué, ici des monstres terribles rôdent. Alors Link, t'es réveillé? Je m'appelle Tarkin. Je suis prononcé comme ça. Je suis désolé pour ceux qui pensent que c'est Tarkin, mais je sais pas. Tu te sens mieux? Quoi? Comment je sais ton nom? Bah c'est gravé sur ce bouclier, d'ailleurs il est à toi, je te le rends. Vous avez récupéré votre bouclier, maintenez R pour le lever et repousser vos ennemis. L'épée s'il vous plaît maintenant. Oh, c'est pas vrai. Ah oui, j'ai pas dit, mais le format c'est seulement des vidéos de 20 minutes. Ok, on a les cocottes. La cocotte! Alors, je peux pas sauter, c'est un peu. Ça me rappelle beaucoup Minish Cap. Habile qu'ils en fassent un remake d'ailleurs. C'est très Minish Cap-like, les graphismes sont. Ouais. C'est vraiment ça. Ok. Qui es-tu, toi? Ken. Faut pas que je rigole à ce genre de truc, c'est honteux. C'est honteux. Monsieur, pour sauvegarder, il faut aller à l'écran des options. J'ai pas écouté du coup, là. Ah bah c'est comme, d'accord. C'est comme Breath of the Wild. On peut aller de droite à gauche et ici il nous donne les contrôles. Alors, inventaire, carte. On a une carte. Ok. Donc on a, ouais. Je pense un peu laggy, non? Non. On peut... Ouais, c'est vraiment une carte à la Breath of the Wild, même les petites icônes sont très semblables. Ouais, bon, enfin bref, comment on quitte B? Mais il a pas de force ce gars, c'est pas possible. Wif. Il fait des drôles de bruit votre nard. Alors qu'est-ce qu'elle a l'arbre au téléphone là? Téléphone maison. Clic, crutchy, crutchy, crutchy. Bu, 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 clic. Pépé le ramolo à l'appareil. Si tu te perds, parle-moi, passe-moi un coup de fil à propos, il y a une bibliothèque dans le village. Peut-être apportera-t-elle une réponse à ta question. Salut, clic. Merci, Pépé ramolo. J'ai pas de blague à faire là-dessus. Youpi, j'ai la pêche, et toi? Bah je sais pas, je viens de m'écraser. Bon, il y a beaucoup de temps de chargement, je trouve. Comment dire? Ah bah, c'est lui! Téléphone à l'extérieur. Vermolo n'a pas l'air d'être un grand... Non, effectivement.
Il y a un champignon de Mario. Ah ha. Tu vas faire quoi? Rien du tout, rien du tout. Oh, il est trop mignon. Waf waf, waf waf, il s'appelle Kai Kai. Ça va pas trop au niveau des prénoms. Madame Miaou Miaou. Oh oh oh. Non, mais elle rigole en fait, faut pas que je fasse ça. Mon toutou est si fier de son pelage. Mais quel pelage? C'est une peau de couille, madame. Y'a pas de truc à voler là? Toutou. Je m'habille avec une robe, madame. Examinez. Vous allez l'insulter à commode. Elle est très jolie. elle est très jolie. Oui, miaou, miaou. Enfin, waf, waf. What? Waf, waf, je suis un kai-kai très branché. J'aimerais avoir des accessoires à la mode. Mais il parle. D'ailleurs, c'est moi ou ils ont... Il a un petit truc au cul. D'accord. Super. Secoue l'arbre, je veux des pommes. Le texte est de l'autre côté, vous ne pouvez... Pardon. Caverne, flagello, plage, coco. Je vais être... Vous allez sûrement me trouver insupportable, j'essaie de tout visiter. Les lois de la téléportation, voulez-vous... Oh non, alors là non. Il y a trop de livres. Comment bien essayer ces objets? Ah non, c'est des tutos, c'est un salaud tuto ça. It's a no from me. Alors je ne lâche pas de caisse, c'est mon siège de bureau qui est en train de faire une syncope. Oh, il y a quoi là? Nye, nye, nye. Un effort Link. C'est un petit peu flou au fond. Fourrure enchantée, danger, invasion de Moblin. Je vois genre la lancer dans l'eau. Oh, elle vole la pute. J'arrive pas à lancer dans l'eau. Je vais encore me faire bouffer par les cocottes. Aucun record enregistré. Une partie de pêche, mon gars, la scène de contact. J'ai pas de rubis, je suis pauvre. Chut, couché. Bon, je vais continuer à faire un peu le tour, mais je vais bientôt aller là-bas, faut pas déconner. Alors, ça, c'est quoi? Merde, j'ai oublié de dire. Siji, le coq volant. Ils ont enterré un coq sur la place publique. Intéressant. Là, ça, c'est la boutique, j'imagine. Vendeur de vase. Oh, la musique! Tut, 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 tut. Un quart de cœur, un fragment de cœur. Pelle de qualité. Bienvenue, apporte-moi ce que tu veux. Il a même pas de prénom lui, c'est marchand quoi. C'est un caillou, ça pousse-le. Quoi cette maison de porte d'entrée là? Ça fait déjà 11 minutes que je tourne, j'ai rien branlé. C'est quoi ça? Mes quatre plus grands se ressemblent tous, même moi je n'arrive pas à les différencier. En fait, sais-tu où trouver une peluche de Yoshi? J'en ai vu à la salle de jeu, mais elle est trop difficile à avoir. Je suis Papouné, le papa des quadruplés. Plus tard, je me perdrai dans les montagnes, tu viens. Quoi? Plus tard, je me perds dans la montagne, tu viendras m'aider, hein. Mais pourquoi voudrais-tu te perdre intentionnellement? Quelle est l'idée? Pourquoi donc? Saute! Bon, les gars, à la plage, faut déconner. Oh, il y a une maison là. J'ai déjà été là, non? Ouais, c'est la maison d'où je viens. Ouais, là, je suis perdu. On va aller à gauche. Ah ah! C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil à Mario dans celui-là. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il y en a déjà pas mal. Entre Yoshi, les champs. Ça lui renvoie pas?
Tu vois, là, on est dans le trou, là. L'avantage de celui-là, c'est qu'on peut tourner... Ah ha. C'est qu'on peut l'envoyer... on peut, quand on utilise le bouclier, on peut tourner. Dans les autres, quand on est sur un bouclier, on peut pas. Aïe. J'ai pris une crotte. J'ai tout ce foutre dedans. Allez, dans le trou, madame. Dans le trou, vous avez l'habitude maintenant. Hop, ça tombe. Merci. Quel est ce... Serrure ici, voyons, serrure flagello. Faut le dire avec l'accent. Flagello. J'aime beaucoup la musique. Est-ce qu'on peut passer genre... C'est un nom. J'aurais tenté. Enculé. Avant de crever, je vais aller à la plage parce que... Je vais décéder avec mes conneries. J'essaie de tuer lui avec le... L'homme qui pique là. Prends la tête brûlée, monsieur. Ah, je peux pas. Y'a rien là. Nothing ici. Aïe, je vais vraiment mourir. Hein. Le mec, il va mourir dès le début. Oh non, pas cette bec. Ah! Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, mourir, mourir. Elle va dans l'eau, elle triche. Cheating. Cheating. Je vais bien... Je vais mourir. Cheating. Comment... Ah oui, c'est vrai que je peux les pousser. Je crois que j'ai postillé sur mon propre bras. Oh. Oui. Elle est juste devant tes yeux, ramasse la ligne, fais pas le con. Oh, le hibou. C'est mon hibou, c'est mon interprétation. Cette épée est donc à toi. Je comprends mieux pourquoi les monstres s'agitent tant. Le héros, celui qui doit rêver la... Le poisson rêve est arrivé. On dit que le héros ne pourra pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Viens me voir dans la forêt enchantée au nord du village. Je t'y attendrai. Allez, on ramasse. Vous avez retrouvé votre épée, c'est la vôtre car votre nom est inscrit dessus. Merci, monsieur Preuve. Attaquez les ennemis qui se dressent devant vous. Ah, ouais, non, par contre, ça va pas du tout les touches. Comment on assigne? Oh non, je suis tellement pas habitué à ce genre de contrôle. Ça pue. Oh. Allez là! Oui! Fais-moi les malins là. J'aime beaucoup. Les animations. J'espère vraiment qu'ils vont faire un peu. S'ils font Minish Cap, ils vont faire un peu cette sauce là. Bah, pas forcément les mêmes graphismes, mais. Meurs. Meurs. Décède. Ça m'avait un peu manqué, je dois avouer, parce que j'ai du mal avec Breath of the Wild à y jouer vraiment. Parce que évidemment, je me lasse un peu du 3D et tout. Je sais pas pourquoi. Je peux y jouer 2-3 heures, que ce soit bien d'accord. Ah le salaud. D'accord. J'espère que vous ressentez pas les lags, je sais pas si c'est la Switch ou si c'est l'encodeur qui bug. Ça me ferait chier parce que je l'ai payé sans boule. Enfin non, je crois que je l'ai eu moins cher. Comment ça l'herbe, elle repoupe derrière moi. Elle repoupe. Oh un croco. Aligo. Bienvenue chez Aligo Banane. Je m'appelle Aligo, sans blague, je suis le gérant. Mon hobby, c'est de collectionner des boîtes de conserves rares. Mon frère cadet est un artiste parti, je ne sais... Pardon. Je suis... Hein ? Mon frère cadet est un artiste parti, je ne sais où, pour poursuivre sa carrière.
Moi, je suis plus terre à terre, j'adore manger. Je te comprends. Peux pas les casser ces pots-là. Quelle honte. Plage Coco. Je vais faire tout à l'italien. Ça va être le display italien, quoi. Je pense qu'il va nous falloir un petit pot avec de l'eau. Je ne sais trop rien. On l'a dit, il faut remonter maintenant qu'on a ça. Oh, Jésus, Marie, Joseph. Crap, il donne rien là. Oh. Oui, note. Tout le monde, hein, il nous faut des rubis. Ça donne pas grand chose, mais bon. C'est le cas. Hein. Je vais tester un truc pour voir si je peux renvoyer leur tir. Un gland de défense. Il réduit de moitié les dégâts infligés par les. D'accord. Donc je viens de me bouffer un gland, quoi. Super. Je suis de retour là, là, je voulais monter moi. Mais du coup, ça dure combien de temps le gland là? Je sais pas si c'est pas pendant un coup, non? Je sais pas. Ah d'accord, ça dure à peu près 30 secondes, je dirais. Donne-moi des rubis rouges là. Faites pas vous biatch. Je pense qu'on va s'arrêter d'ailleurs. Je vais aller retourner à la maison là. Hop. On décède monsieur. Oh le bâtard. Enculé. Je peux continuer longtemps comme ça moi monsieur. Non, je rigole. Allez, casse-toi. Il m'a perdu un carré, l'enfoiré. Oh. Bon, d'accord. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, d'ailleurs. Il est temps. Vous m'entendez poser la manette d'une manière... À chaque fin des deux, je baille. C'est inutile. Oh, j'ai envie de mourir. Je fous rien de mes journées. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode 1 de The Legend of Zelda Link's Awakening. On se retrouve demain pour l'épisode de... Normalement, je pense que je ferai une vidéo par jour. J'espère que je pourrai tenir ce rythme. J'ai entendu plusieurs d'affilée. D'ici là, j'espère que... non, surtout, n'hésitez surtout pas à aimer, à me donner des astuces. J'ai besoin de beaucoup d'astuces. Je ne connais absolument pas le jeu. Donc, si vous avez des astuces, je prends. N'hésitez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et de partager si vous avez aimé. C'est comme ça qu'on a fait avancer le contenu des créateurs. Et on se dit à la prochaine. Allez. Au revoir.